Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bonjour pour vous qui nous suivrez en rediffusion. Le plaisir est pour nous, c'est-à-dire Ganzumba Roger. Monsieur Ganzumba, bonsoir et bonjour. Bonjour et bonsoir, monsieur Kibangui. Ça fait longtemps que vous n'êtes plus venu dans cette équipe pour parler des choses sérieuse, celle-ci sera également sérieuse. Deuxième personne ou personnalité, ça dépend de comment vous les prenez vous-même, c'est monsieur Mobimba Ashimba. Monsieur Mobimba Ashimba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour. Mais pourquoi vous avez abandonné le prénom Cyril? C'est bon? Non. Bon, ok. Parce que c'est européen. Non, je n'ai pas répondu. C'est culturel. C'est que jusque l'année dernière, au mois de juillet, les ports du prénom étaient prohibés au Congo. C'était la loi, les codes de la famille qu'on a changé en juillet 2016. Et vous le portiez de manière tout à fait illégale. Merci. Et moi, je nage pas dans l'illégalité. Merci pour l'information. Monsieur Dikisongele, bonsoir et bonjour. Bonsoir, bonjour, monsieur Dikisongele. Vous êtes en train de former nos jeunes dans l'art de l'art. Dans la création. En fait. Dans la création. Merci d'être venu. Merci. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de voir dans quelle mesure promouvoir notre art. Comment, que faire pour consommer notre propre art? Parce que quand nous voyageons, nous allons en Chine, pour nous qui avons eu la chance d'y aller, nous allons au Japon, on rapporte toujours un petit quelque chose parce que nous estimons que cette chose est belle. Mais pourquoi dans notre propre pays, nous ne consommons pas l'art alors que nos enfants, la plupart de nos enfants, certains de nos enfants, se donnent la peine d'aller étudier comment faire des œuvres intéressantes et ce ne sont pas les œuvres qui manquent. Voilà, c'est économique, c'est commercial. On va jeter un regard là-dessus. Alors, première question, je vais la poser à M. Mobimba Ashimba. Dernièrement, vous étiez en Inde, à plusieurs reprises d'ailleurs, moi aussi. Mais vous avez ramené sans doute pour la maison de petits bibelots. Mais est-ce que chez nous ici, il vous arrive de vous arrêter devant les œuvres d'art, d'y jeter un coup d'œil et d'avoir envie d'en acheter? Oui, moi je consomme de l'art. Moi je consomme de l'art depuis longtemps. Je suis peut-être pas le meilleur exemple de Congolais en matière de consommation d'art parce que je consomme de l'art chez moi. Et quand quelqu'un arrive chez moi, avant même d'entrer à la maison, il voit que je suis consommateur de l'art. Et je consomme l'art congolais dans toute sa diversité chez moi. Et c'est pourquoi quand je suis à l'étranger, je trouve une œuvre d'art qui me frappe et surtout qui représente une certaine philosophie, ça m'attire beaucoup. Je peux garder un exemplaire pour moi. Alors, quand on arrive chez vous, on est frappé par l'art, peut-être parce que vous avez grandi au village, vous êtes fétichiste. Hein? Ah oui, voilà. C'est ça, parce qu'il y a des gens qui pensent que l'art, parce qu'on nous a enseigné comme ça, que l'art de nos ancêtres, c'est des fétiches. Mais ceux qui nous ont enseigné que c'était des fétiches, eux-mêmes, ils ont, comme on l'a dit la fois dernière, ramassé toutes ces œuvres pour les amener chez eux. Si ces œuvres sont dans les musées, ils produisent l'argent chaque jour. Ils produisent l'argent chaque jour, parce qu'il y a chaque jour que les gens entrent dans ces musées. Monsieur Ganzumba, est-ce que vous êtes consommateur d'art congolais? Non. Parce que trop construit dans l'âme européenne? Même pas. Le problème qu'il y a, c'est que il faut qu'il y ait un besoin pour que, à la suite d'un besoin, il y ait une nécessité de le satisfaire. Je n'éprouve pas personnellement de besoin pour ce que les artistes produisent dans notre pays en ce moment. Il y a une raison ? Non. Pas une raison particulière, mais les besoins
on a le besoin qu'on a, d'accord, on ne peut pas se les importer. Et pourtant, vous avez visité le monde, dans chaque hôtel, vous trouvez des tableaux. Et... Bien entendu, je prendrai l'exemple de la première fois que j'étais en Afrique du Sud, c'est-à-dire en 89. J'étais logé au Carlton Hotel. Et ce que j'ai remarqué, qui m'a frappé et impressionné, c'était ce que les artistes faisaient avec les œufs d'autruche et une pierre semi-précieuse qu'on produit en Afrique du Sud qui s'appelle l'œil de tigre. Oui. Il y avait notamment des arbustes qui étaient faits en métal avec toutes sortes de formes de petites de pierres taillées, l'œil de tigre. Mmh. Et je me souviens d'avoir ramené cela parce que ça m'avait frappé. Monsieur Diguisonguel est... Là, vous êtes en pleine accusation. Monsieur ne consomme pas l'art parce que ça le frappe pas. Et vous donnez cours aux enfants, vous prêchez dans le désert. Parce que finalement, leur produit ne frappe pas. Je ne pense pas. C'est certaines personnes. Merci bien, M. Kivambi. Je pense qu'aujourd'hui, nous formons ces artistes-là pour que d'abord, eux-mêmes, ils soient en mesure d'être curieux, attentionnés à leur propre art, à leur création. Mm-hmm. Parce que je pense que ce sont les dirigeants de demain. Celui qui est passé à l'Académie des Beaux-Arts, qui l'Académie des Beaux-Arts, c'est vrai, donne une formation artistique, mais il y a aussi ouvert à l'univers. Il y a un principe d'universalisation de contexte. Si demain, il n'est pas appelé à faire l'art pratiquant, ben, il y a d'autres cours qui pourraient lui permettre d'être, par exemple, conservateur, gérer un musée, gérer une galerie d'art. Il sera attentionné, il pourra créer les conditions pour attirer l'attention de ceux qui sont Deuxième question, monsieur Diguisonguel. Pourquoi sommes-nous à animer cette émission? C'est parce que moi, personnellement, j'ai constaté que notre art n'était pas suffisamment consommé, parce que sûrement, cet art ne frappait pas, n'intéressait pas, il n'y avait aucun intérêt pour cet art, non? En fait, votre préoccupation, c'est le même fond avec M. Gazumba, mais je pense qu'il est question d'intérêt. Parce qu'il est question, d'abord, on est homme de culture. Homme de culture dans la mesure où on a été formé dans des universités, des grandes universités, ici ou ailleurs. On nous a donné quand même un ton de pouvoir être éveillé. Nous devons être éveillés. Un homme universel, intellectuel, il doit être un homme univers, il doit être un homme ouvert. Déjà, quand culturellement, vous n'êtes pas ouvert à ce point-là, donc il n'y a pas un intérêt, il y a inattention, il n'y a pas de curiosité. Or qu'un intellectuel, c'est un curieux aussi. Oui, mais... Permettez, j'arrive à ce point-là. D'ailleurs, il a... Monsieur Gazoum, excusez, je ne vous fais pas un procès, mais vous avez donné preuve. Vous êtes arrivé en Afrique du Sud. Voilà. Vous êtes éveillé par votre curiosité d'abord. Et vous avez constaté les œufs de l'autruche. Et il a consommé. Vous avez consommé. Je ne sais pas si combien de fois, je ne vous juge pas, vous n'êtes pas devant la barre, que vous avez déjà, ou vous passez à côté de la foire internationale, voir cette sculpture, de savoir qui en est le créateur. Nous passons toujours à côté des beaux bâtiments, ou comme l'échangeur de l'Émeté, qui est une sculpture également, ou dans un endroit où il fait beau les paysages. Donc l'intérêt se crée quand on est d'abord curieux, et à ce moment-là, les besoins se font consommer. Donc d'accord, il est question de fonds, comme on a dit tout à l'heure. D'accord. Monsieur Mobimba, ce phénomène qu'on observe dans notre pays, que les Congolais ne consomment pas là, et que les artistes eux-mêmes font cet art pour les Européens, est une évidence. N'est-ce pas parce que nous avons été dans un moule trop européanisé? Jean-Pierre, j'aimerais pas rectifier une chose avant d'y répondre. Allez-y. Parce que la formulation ne me paraît pas être tout à fait correcte et généreuse. L'art, en fait, nous vivons et nous nageons dans l'art, tous. Tous les peuples du monde, y compris les Congolais. Et je veux vous le démontrer, vous allez voir que c'est vrai. Parce que l'art, quand nous pensons, nous parlons de l'art tel que nous en parlons maintenant, et dans notre imaginaire, nous pensons plus aux statues, à la peinture, aux tableaux. Mais l'art nous entoure, nous sommes dans l'art. Par exemple, la chanson, la musique, la danse, l'architecture,
les vêtements que nous portons. Mais ça, c'est une œuvre d'art que j'ai là. Mais la coiffure, Jean-Pierre, c'est de l'art. Allez voir comment il y a des jeunes gens qui sont tellement qui ont ces doigtés là pour faire des coiffures. Mais c'est beau. Mais maintenant le Congolais, le masculin, ils n'en veulent plus. Ils rasent complètement toute la tête comme vous deux là. Mais regardez nos dames, les demoiselles congolaises. Et elles passent parfois 4 journées entières en train de se faire tisser. Surtout quand elles doivent voyager pour aller loin en Europe, en Amérique, pour rester un mois. Et tout ça. Et donc ça, c'est de l'art que nous avons. L'architecture, les maisons que nous habitons, c'est de l'art. Les vêtements, c'est de l'art. Mais peut-être un aspect de l'art. C'est ce qui m'intéresse. Merci pour la correction. Oui. Bon, maintenant, répondez à la question. Donc là, je dis, nous sommes là dans les arts majeurs. Et les arts majeurs sont hissés à un autre niveau de l'art et à un autre niveau de consommation. Et qui ferait que dans le commun de mortels, par rapport à nos besoins, il y a des besoins primaires de manger les bois, les besoins secondaires s'entourer d'une certaine sécurité, et dans les besoins tertiaires, alors nous avons rappelé tous les autres besoins, qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant, qui peut arriver après? C'est comme Taboulé a chanté que au l'été, au tondité, qu'aucun ne combat la terre. C'est-à-dire qu'avant d'aller se marier, veillez vous prémunir de toutes les nécessités qu'il faut pour un homme marié. Donc, il y a un problème dans la consommation de l'art majeur et je crois que... C'est un problème économique. Ouais. Non seulement économique, d'une certaine mentalité, d'une certaine élévation dans l'appréciation philosophique et poétique de la vie. Quand on est arrivé, à ce moment-là, vous avez atteint des sphères qui dépassent le moi, qui dépassent une certaine spiritualité pour apprécier ça. Il est trop en verve aujourd'hui, je le connaissais en verve, mais aujourd'hui, je ne sais pas. Alors, monsieur Gadzumba, vous n'êtes pas consommateur d'art africain, consommateur des œufs de trucs. Bon, vous allez changer après cette belle littérature. Peut-être. Et puis, de toute façon, vous êtes un grand danseur. Je vous ai déjà vu danser. Donc vous consommez l'art. Congolais, d'ailleurs. Façon de parler. Le problème qu'il y a, c'était vrai il y a quelque temps. Ce n'est plus vrai immédiatement là. Mais le problème à propos de l'art, il faudrait qu'il y ait un éveil à l'art. Et ce que je voudrais rectifier ici, dans nos traditions bantoues africaines, ce que la définition des produits artistiques n'est pas venue de notre culture, elle est venue des blancs qui ont amené ça de chez eux. Non, chez moi, il y a des objets utilitaires, mais qui peuvent pas décoratifs. Non, utilitaire. Les masques. Les masques, c'est pas pour décorer. Ils étaient utilitaires, ils servaient à un culte. C'était pour oui, évoluer. Ils étaient utilitaires, ils étaient nécessaires à la pratique d'une certaine spiritualité. Donc nous sommes inférieurs aux dogons. Non, c'est les blancs. Même chez les Dogons, je ne connais pas leur culture. Je ne pourrais pas parler de ce que je ne connais pas. Mais chez les Tchokwe, chez les Pende, les Mingaji, c'était utilitaire. C'était pour des cérémonies culturelles qu'on s'habillait dans des tenues de raffia, etc. etc. Vous êtes d'accord? Si les Blancs... Vous êtes d'accord avec ça? Non, allez-y. Mais je vous dis aussi... Je suis d'accord avec Gansumba pour un aspect de l'art de chez nous. Oui. C'est-à-dire, comme il a dit, à l'origine, les masques et d'autres. Mais nous avons de l'art décoratif et l'art de beauté. Je dis le mouesseau, le chasse-mouche que les chefs portent, les ziguidas, des femmes pour faire la beauté. Et une certaine façon de mettre, quand elle marche, ça fait crin, je ne sais pas comment vous appelez ça en français, parce que Ngenze, Monsieur Mbambaranya. Ça, c'est pour le beau. Il y a exactement
La décoration, par exemple, quand on construit la maison, par exemple, de Sussberg, un prêtre qui a fait des études sur l'art pendant des années au début du siècle passé, qui a vu que toutes les maisons étaient décorées. D'accord. Et cette décoration avec des raffias, avec de bambou, mais entrelacés, rien que dans ces entrelacements, ça, ce n'était pas. Il y avait à côté, on peut mettre une statue pour la protection qui était utilitaire. Mais le reste, c'est décoratif. Alors, vous deux, vous allez être. Bon. Il y a la matière toute l'art pour les Européens, votre question tout à l'heure, non, l'art, nous ne faisons pas l'art, nous les artistes, pour les Européens, l'art qui est l'expression d'une âme profonde, parce que nous appartenons à une société, à une culture, peut-être c'est leur attention soutenue à ce que nous faisons. Et ils s'intéressent plus que nous-mêmes ou ceux qui sont dans notre environnement. C'est alors que, puisqu'ils consomment plus, à ce moment-là, l'art devient comme pour eux. C'est nous qui n'avons pas l'attention là-dessus. Je continue. Il ne faut pas continuer, il faut nous convaincre, parce que c'est nous qui regardons, vous vous faites, moi je vous dis. Ce que vous faites n'attire pas l'attention de beaucoup de Congolais. Alors vous vous dites, c'est votre âme, c'est vrai, c'est l'expression de votre âme, mais que faire pour que nous puissions commencer à consommer et que... Et déjà la première réponse de ce que nous sommes en train de faire, de médier. Mm-hmm. Et la médiation n'est pas qu'aussi en fait de la presse ou des journalistes, et nous qui enseignons, et les journalistes, et les herméneutes, tous qui ont une connaissance sur une culture, sur l'art. Déjà, ceci, c'est une réponse à cette question. Je dirais aussi, l'art n'est pas un luxe, parce qu'on ne peut faire, il n'y a pas d'homme sans art. Il a dit tout à l'heure, il a démontré, ni art sans homme. Et l'art, c'est pour l'homme, parce que l'homme a éprouvé des besoins, même dès le début, et il a créé. C'est peut-être que l'art dont on est en train de parler, ce n'est qu'un aspect. Je voulais dire encore quelque chose sur la consommation. La consommation de l'art n'est pas forcément l'acquisition, puisqu'il n'y a pas d'homme sans art. Ni art sans homme, déjà notre vie de tous les jours qui fait partie de l'art parce qu'on ne peut faire l'art qu'avec la vie. Vous comprenez? Donc la consommation à ce moment-là devient aussi question d'intérêt. Parce que l'intérêt économique, dès qu'on va graviter les échelons pour en parler, donc il y a l'intérêt aussi économique quand la caution se donne. C'est vrai qu'aussi la caution, nous-mêmes, nous devons être les premiers à donner la caution sur D'accord. nos productions artistiques. D'accord, pardon. L'intérêt de cette émission, c'est pour réveiller même ceux qui sont arrivés au stade tertiaire, que quand nous allons dans le salon d'une personnalité qui a des moyens, ce serait intéressant que nous puissions y trouver nos propres tableaux au lieu de trouver des Picasso. C'est là que je vous interpelle. C'est vous qui faites ça, c'est vous qui enseignez ça. Faites en sorte que ces gens qui ont les moyens, les cadres, puissent s'intéresser à cet art. Déjà, il y en a ici, ce n'est pas le lieu de citer les noms, parce que je connais que quelques-uns. Mais il y en a déjà, les goûts s'y donnent déjà, pour certains, déjà qui prennent dans leur salon, qui prennent nos peintures, nos œuvres, nos sculptures également. Ben, écoutez, même quand on parle, je prends un exemple parmi tant d'autres, Liolo. Liolo a fait son bonheur ici au Congo aussi, bien qu'il fait le monde, mais c'est ici qu'il ne connaît pas de Liolo, parce que plusieurs salons ont intériorisé le travail de Liolo. Oui, mais il y a un problème économique, cher ami. Hein? C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire qu'il faut tout faire pour que notre art puisse être consommé. Je reconnais une chose, c'est que c'est un peu de notre faute, parce que ce qui n'est pas dit par la presse n'existe pas. Donc nous devrions peut-être... Kibambi, avant de parler de la presse, il faut voir l'évolution du Congolais. Mmh. Il naît où? Il est éduqué comment? Il arrive à l'âge adulte avec quel bagage? Allons-y. C'est-à-dire que le problème, c'est que lorsque, en littérature, on n'a pas eu des professeurs D'accord. qui vous donnent le goût d'entendre des beaux textes de Voltaire, de Malherbe, Ronsard. De Ronsard, etc. Mais quand vous arrivez à l'âge où vous disposez de l'argent, vous êtes adulte, vous n'allez pas éprouver le besoin d'acheter un livre. Il faudrait qu'on ait réveillé en vous le goût de la littérature pour que vous puissiez
commencer à lire par vous-même d'une manière forcée, comme on l'était aux humanités, ou d'une manière volontaire à l'âge adulte que nous avons aujourd'hui. Mmh. Donc, en matière d'art, c'est exactement la même chose. Lorsque vous regardez les fils des grandes familles en Europe, lorsqu'ils ont été à l'université, il y en a des gens qui y vont pour apprendre l'histoire de l'art. D'accord ? Tout à fait. Donc, leurs parents estiment que ces personnes-là vont s'exprimer, vont avoir besoin d'avoir une formation, d'une inculturation à l'art. Mmh. Donc, ils apprennent ça par des méthodes classiques, à acquérir des connaissances dans ce domaine de la connaissance des arts. Mmh. Chez quelqu'un dont cette connaissance-là est nulle, elle est absente, il ne va pas. On voit quelque chose parce qu'elle a une forme. Mais vous et moi, ouais. Parce que nous avons lu, non seulement lu des beaux textes, ouais. Mais nous avons également étudié la Renaissance avec cette splendeur italienne et tout ça. Nous n'avons aucune raison de ne pas vouloir consommer cet art. Mais faut-il encore que nous atteignions le niveau, comme le disait Cyril à un moment donné? Parce que quand vous regardez aujourd'hui la personne, il y a une œuvre d'art de Michel-Ange qui vient vendre dernièrement à 400 millions de dollars. Mais il faut encore atteindre le niveau, il faut encore avoir l'information que Michel-Ange avait créé cette œuvre qui a disparu pendant longtemps, qui a appartenu à divers collectionneurs pour atterrir à la salle de vente où elle a été vendue dernièrement. Mm-hmm. Mais faut-il encore avoir l'information? Vous D'accord. et moi, nous avons été en Europe. Ce n'est pas tout le monde en Europe qui a le niveau d'atteindre ces salles de showbiz où se traite, oui, parce qu'on parle, de la qualité de vente. Oui, pour pousser les jeunes gens que vous formez à faire des œuvres finies. Attention, hein, je dis finies, même sur le plan de la forme. Il faut leur apprendre qu'il y a des œuvres, effectivement, aujourd'hui, qui se vendent à des millions de... Oui, nous avons des cours d'information sur l'art moderne. Nous avons les cours d'histoire de l'art, comme vous dites, parce qu'on ne peut pas aller à l'école des beaux-arts ou faire l'art sans pour autant apprendre l'évolution de l'art. L'histoire de l'art, vous apprendrez à connaître les débuts, le milieu, en fait, à l'évolution de l'art, l'éclosion qui a donné aujourd'hui qu'on arrive à l'art moderne, de part de l'art classique, l'art moderne et l'art contemporain, et qui ont chacun son code, son paradigme de compréhension, de saisir les choses. De toute façon, entre les trois, c'est donné qu'il vision du monde, mais à chaque époque il faut suivre. Mais nous disons aussi également, nous leur apprenons la technique parce qu'il s'agit de la création. Et comme vous avez dit vous-même, fini entre guillemets, bon, l'œuvre d'art étant déjà une... Non, je dis sous le... Oui, mais je comprends, parce qu'il y a l'aspect technique dans l'art, ouais. Il y a aussi l'aspect spirituel dans l'art, mais l'entre les deux, où on trouve l'ordre vivant pour qu'il y ait une œuvre d'art qui donne l'attraction, qui attire. J'allais dire en même temps une chose ici tout à l'heure pour le goût de l'art, c'est pour cela à la question de savoir que faire. Nous enseignons à cela, mais il faut que dans nos écoles, déjà qu'on commence à créer les activités artistiques, pas seulement pour qu'ils aient le goût de l'art, mais pour susciter aussi dans nos enfants le goût de l'esprit de la créativité. Parce que l'art, c'est le domaine par excellence où l'on parle de la créativité. Mais je pense que chacun de nous, dans ce qu'elle en fait, il y a quand même une dose de créativité. Chacun D'accord. de nous, dans une certaine mesure, il est artiste à petit temps, c'est oui. pour l'évolution. Parce qu'à mon avis, je crois que si vous recevez des étrangers, vous leur parlez, vous avez le temps de leur parler de votre art et tout ça, vous leur visitez ça, c'est un besoin qui peut être économique et il n'y a pas que, le cuivre, il n'y a pas que le diamant, il y a aussi cette... voilà. Cher... oui, la promotion de notre art. Vous avez bien fait de parler de la musique parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que cet art plastique, il y a aussi la musique que nous consommons abondamment. Et que d'ailleurs, si nous avions la capacité, les capacités de l'exporter, on le ferait avec l'ingéniosité de l'exporter, on gagnerait beaucoup d'argent. Oui, tout à fait. Je rejoignais aussi ce que Gazumba pour l'éveil de goût. L'éveil des goûts, on grandit avec ça quand on est jeune. Et le goût de la danse, de la musique, de ceci,
C'est parce qu'on a entendu, les enfants ont entendu, dans les milieux où ils sont nés, où ils ont vécu, ils ont grandi, on leur a dit que c'est important. Et quand ils grandissent avec cela aussi. Et aujourd'hui, en ce qui concerne la chanson et la musique, je ne pense pas que ça puisse vraiment poser un problème chez nous ici. Vous savez que le poule malébo ici, c'est le berceau de la musique, musique africaine, de la rumba, etc. Le poule malébo, c'est-à-dire et les Congo Brazza, les Congo Kinshasa. Et là-bas, quand vous voyez même les enfants, j'ai observé, les enfants des Congolais qui sont allés à l'étranger et ils ont mis au monde leurs propres enfants. Et quand il y a une petite fête, vous allez voir qu'ils vont, ils n'ont jamais été en Afrique. Ils dansent au rythme de l'Afrique. Mais leurs amis qui sont français, belges, ou autres, ben, c'est à côté. Pourquoi? Parce que il y a une certaine vibration que nous portons à nous depuis que nous sommes dans le sein de nos parents. Et cette vibration que nous transmet la danse, le rythme de la danse et les rythmes de la chanson. Et nous avons cela. Et ça pose pas. C'est la consommation de la danse, la consommation du tam-tam, de la musique, ne pose pas de problème. Mais ici, là, les coiffures, la tenue de la Congolaise, hein, non pas des histoires de pantalons, mais non. Maman a dit baya pizza. Et quand ils ont avec un palpien, elle fait. Mais ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Et ça, c'est un art. Un art. Hein? Et notre abacos là. Vous voyez. Et donc, là, ça ne pose pas de problème. Mais nous avons un problème dans la consommation de l'art d'un niveau supérieur, de l'art majeur. C'est-à-dire, là, quand nous entrons dans la sculpture et la peinture et d'autres types d'art, ça pousse un peu trop. Et aussi, il y a peut-être le problème des prix. C'est vrai que les artistes doivent vivre. Mais un autre problème qui se pose, c'est que lorsque c'est un peu trop cher, ils mettent des prix parce que ce sont des œuvres de l'esprit, mais en même temps, l'économie qui chez le consommateur ne suit pas, ça pose problème. Mais ce n'est qu'une petite exception. Mais pour le reste, nous sommes baignés dans l'art. Oui, tout à fait. Alors, parce que vous avez parlé de la danse, et vous savez, à l'indépendance, on était tout gosse, pendant la sécession, on consommait, au Katanga, enfin nos vieux, consommaient la chanson qui venait de Kinshasa. Mais de plus en plus à Lubumbashi, il y a une musique qui commence à être particulière, c'est une parenthèse, on y reviendra peut-être, qui commence à naître et différente un peu de Kinshasa. Ça, oui. C'est bizarre, vous l'avez constaté. Hein? Oui, je voulais dire, essayez de suivre un peu à l'occasion de fête d'indépendance des autres pays africains, ils mettent indépendant, même s'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, c'est devenu la chanson d'indépendance de l'Afrique. D'accord. Et ce n'est plus du coup. De toute façon, une anecdote, on arrive en Zambie et puis on voit les gens en train de danser sous le rythme « Votez, votez, Mobutu ». Alors, ils disent « Mais c'est quoi ça ?» On dit « Mais c'est la publicité ». Ils disent « Ah bon, nous l'entendons sous la publicité de Mobutu, alors non, on arrête de danser ». Alors donc, tu vois l'influence que nous avons. Mais sur cet art majeur, cher ami, hein, il faut quelque chose, hein, parce que il y a des grands artistes ici. Nous n'en parlons pas, j'inviterai tout à l'heure nos amis journalistes à s'intéresser aussi à ces tableaux qui valent leur pesant d'or, afin que nous puissions commencer petit à petit à les consommer et à aider ceux qui viennent à la consommation. Oui, mais c'est pour cela, quand on parle art majeur, peut-être notre public, il y a la peinture, il y a la sculpture, il y a la littérature aussi également, il y a l'architecture, bien entendu, ce sont les arts majeurs également dans ces expressions artistiques. Mais c'est pour cela, pour parler par exemple des arts plastiques, nous organisons des expositions. Quand nous organisons des expositions, c'est des périodes ou des moments pendant lesquels, c'est vrai, où l'artiste vise aussi cet aspect économique, comme on avait dit, mais beaucoup plus c'est là pour sa notoriété également, je voudrais dire tout à l'heure. Mais nos salles sont ouvertes, c'est pas payante, hein, mais en Europe, pour voir une exposition, beaucoup plus d'expositions sont payantes.
Mais ici, nous avons le monde flamboyant, nous avons les sites français, sont en Wallonie-Bruxelles, nous avons... Ils sont rares ceux qui viennent. Mais ils invitent, mais les problèmes aussi, beaucoup n'y répondent pas. Même quand on fait les bâches, les pibes, on met les jours... Question d'inattention. Mais je pense, nous faisons beaucoup d'efforts avec des émissions télé également. Je suis heureux pour cette année. J'ai vu à l'INA, si vous permettez, une étudiante qui est venue me voir. Elle a travaillé sur comment faire la promotion, comment s'est fait la promotion de l'artiste Edik Songele. Extraordinaire. C'est un travail de fin de cycle. Et je pense qu'elle a distingué, mais la fille, les noms m'échappent ici. Donc voilà déjà cet intérêt que porte l'étudiante. Sur mon antenne, vous faites la publicité de votre propre personne. Merci. Ah non, non, excusez-moi. Vous aurez la facture après. Je n'ai que l'œuvre d'art pour payer, c'est ça. Monsieur Kimab. Non, c'était pas. Non, c'est pour montrer, étant artiste, là je ne parle pas de moi comme je suis maintenant, mais je parle comme artiste. Les produits de l'artiste. Là, c'est les produits de l'artiste, pas ma modeste personne, mais les produits de l'artiste. Donc, ceci dit, quand nous faisons nos expositions, il y a des affiches, il y a des catalogues, il y a des émissions télé, il y a la salle d'exposition, c'est pendant un mois, par mois, un mois et demi. Donc, si déjà le public aussi prend soin de suivre ces émissions et nos amis des presse qui montrent l'aspect de ces expositions, pas seulement des concerts, parce que la musique, comme il a dit Mutashimba tout à l'heure, nous la vivons tous les jours. Mais les expositions, il y en a qu'il faudrait quand même voir sur la télé. Kibambi, je pense que le problème est de voir l'évolution de notre société. Même à l'époque, si nous faisons une référence à l'histoire de notre pays, l'éveil du Congolais aux choses supérieures date des années 50. C'est dans les années 50 que les Congolais commencent à écrire, notamment les Roger Bolamba et consorts. Donc, y compris l'éveil à la culture, à la dimension culturelle. Parce qu'avant, nous n'étions pas au niveau d'être des consommateurs de la culture. Donc, il y a fallu une formation. À l'époque, elle était voulue par les Belges, qui, petit à petit, formaient des évolués. Excusez-moi, je mets le terme entre guillemets. Des évolués, lesquels pouvaient intégrer et avoir cette soif d'autres consommations que de la nourriture, de l'habitat et des vêtements. Permettez-moi de vous contredire. Bah, vous permettez? Oui. Non, non, non. Alors, maintenant, la rupture qu'on constate dans le domaine artistique, c'est celle qu'on constate dans tous les autres domaines. Il y a eu un recul systématique de notre société sur plusieurs aspects. Regardez. Quand nous grandissions, moi je suis arrivé à Léopoldville, à Kinshasa donc, en 1961, mais qui mangeait le poisson de mer, le lamer comme on l'appelle vulgairement? C'était la nourriture des pauvres. Et le seul poisson de mer qui était consommable valablement, honorablement, c'était le libundu. Donc un poisson d'une certaine catégorie. Donc les chinchards comme on le connaît aujourd'hui, on le consomme aujourd'hui, les maboumous et consorts, c'était de la viande des gens de moindres conditions sociales. Alors si vous regardez que c'est devenu une nourriture consommable pour la plupart des ménages, c'est-à-dire qu'il y a eu un recul sociétal. S'il y a eu recul sociétal dans le domaine de l'habitat, regardez les maisons de Kinshasa, d'une manière générale, regardez tout le reste, vous allez voir que nous avons fait plusieurs pas en arrière par rapport à l'évolution qu'on a connue de 1800, quand le Congo était devenu une colonie, jusque dans les années 50 où il y a le dernier plan décennal comme Léon de Saint-Moulin en parle. Qui a constaté l'évolution par la volonté du colonisateur. Conclusion. Conclusion, c'est que si nous devons déplorer aujourd'hui l'absence de consommation. De la consommation de l'art, on devrait parallèlement parler de l'absence de consommation d'autres besoins pour lesquels nous ne sommes pas préparés. Oui, mais c'est contradictoire parce que, regardez,
on a des problèmes économiques, on a des problèmes financiers, mais on continue à consommer la musique. Regardez comment les concerts sont pleins. Bon, même, tout ça même, est bien compliqué. Même, les concerts sont pleins. Regardez les revenus en termes de disques vendus de nos artistes. C'est loin de Johnny Hallyday, de Dalida, de Mireille Mathieu et de consorts. C'est que ça, c'est un problème de sponsor. Économiquement, oui. Toutes choses étant égales, par ailleurs, Kibambi, les artistes ne vivent pas. Pourquoi est-ce que les musiciens déplorent le fait qu'ils ne vont plus en France jouer à Bercy où ils font salle comble, etc., etc., avec les derniers événements qu'on déplore? Mmh. C'est parce que lorsqu'ils se plaignent de piratage, pourquoi aujourd'hui achètent des copies? Quand vous allez les œuvres de je vais citer un nom, les œuvres de copies, les derniers disques de que Kofi vient de produire, il s'est vendu en original à combien d'exemplaires? Alors que ailleurs, dans le même domaine, dans la même circonstance, un artiste qui produit un album le vend par millions d'exemplaires. C'est-à-dire que les gens ont la capacité d'acheter pour qu'ils en vivent convenablement. Moi, donc, Je suis d'accord avec vous, mais là, c'est un problème. On n'a pas de professionnels de vente, parce que c'est toute une science. Vendre une œuvre artistique, il faut se confier à des gens, et d'autres ne veulent pas se confier à ces professionnels parce qu'ils ont peur qu'on puisse leur voler leurs œuvres. Mais enfin, ça, c'est un autre problème. De toute façon, on consomme l'art sous forme de musique, ça. Oui, on le consomme à notre niveau, de notre manière, ouais. Qui n'atteint pas le niveau que comparativement on atteint les autres atteignent sous d'autres cieux. Monsieur le professeur, acceptez qu'on vous appelle comme ça, même si vous êtes chef des travaux, de toute façon, vous êtes professeur. Merci. Hein, vous savez, monsieur Gazumba, de temps en temps dans la rue, on l'appelle professeur parce qu'il passe du profondeur, Kibambi, on l'appelle professeur. Alors vous qui donnez des enseignements, je souhaite qu'on vous appelle professeur. Alors, que faire, cher ami? Je pense que c'était le problème de la promotion ou la question de la promotion de notre art. C'est vrai, vous permettez que je dise, il y a un ministère de tutelle, mais on ne peut pas s'empêcher de dire que c'est aussi la responsabilité première politique. Vous me permettrez, moi j'ai appris que la politique, pas seulement celui qui va mettre l'argent, mais j'ai appris la politique comme la clé qui ouvre toutes les portes où vous voulez aller. Parce que je pense les talents, nous en avons les capacités, la matière, mais il faut une promotion, comme vous avez dit tout à l'heure. Si tous ces canaux-là sont organisés, d'ailleurs, j'étais heureux, ce matin, je suivais sur une des chaînes chez nous, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, qui parlait sur l'organisation de ces activités, de ces entreprises, de petites et moyennes entreprises. Et l'artiste et l'artisanat font partie de cela également, parce que les artistes s'organisent. Donc, il est question de faire consommer notre art, en tout cas notre art d'une manière ou d'une autre, parce que nous prenons un aspect, mais il y en a tant d'autres. Quand on parle de la musique, elle se consomme. Et je dis toujours, la consommation de notre art n'est pas forcément l'effet de l'acquisition. Mais nous voulons amener cette consommation pour qu'elle apporte quelque chose dans la vie de l'artiste. D'accord. Raison pour laquelle, je pense, cette action aujourd'hui... Non seulement dans la vie de l'artiste, même dans la vie du pays. Mais évidemment, quand je parle de l'aspect économique. Parce que si j'ai dit que si la clé politique, il organise tout, lui aussi va tirer sa part. D'accord. Donc je pense que cette rencontre ou ce genre d'émission, ça participe et ça donne déjà une partie des réponses pourvu que les autres aussi prennent leur branche. Merci. Monsieur Moubimba Chimba, vous savez, j'étais habitué à parler de Cyril, mais de toute façon, vous êtes Cyril. Bon, sur votre diplôme, c'est marqué. Non, sur votre diplôme, c'est marqué Moubimba. Oui, allons-y. Tout à fait. L'authenticité, il n'y avait pas de Cyril dessus. Alors, en conclusion, moi, je peux dire ceci, que nous consommons déjà pas mal de notre art, mais nous devrions progresser. Et nous savons qu'il y a un problème, bien sûr, comme j'ai discuté avec certains professeurs à l'UNIKIN, je ramenais un débat que j'ai eu avec des amis qui sont dans l'enseignement aussi, des professeurs, des Africains qui sont aux États-Unis, qui m'ont dit, ben, la linguistique, c'est beau, c'est une belle discipline, mais ça ne nourrit pas son homme. Et un professeur ici a dit, oui,
C'est comme la philosophie, comme la littérature, la poésie, comme la psychologie chez nous et d'autres sciences ici. Ça ne nourrit pas son âme. Ça signifie quoi? Ça signifie que il a qualifié ça de sciences bourgeoises. Pourquoi sciences bourgeoises? Ça signifie que vous êtes arrivé à un certain niveau, pas seulement de richesse, mais d'aisance matérielle pour pouvoir vous tourner vers quelque chose. Vers, non pas tout l'art, parce que nous consommons chaque jour tous, mais simplement vers une catégorie d'art qui est l'art majeur. Et aussi, si la plupart de nos artistes ne sont pas très très connus, on ne peut pas tout à fait s'en faire, ça viendra avec le temps, parce que moi j'ai l'impression aujourd'hui que des gens, des artistes de l'Occident très connus aujourd'hui, comme Léonard de Vinci, comme Michel-Ange, comme Picasso, peut-être même de leur vivant, ils n'étaient pas connus comme des grands artistes. C'est après leur mort que mon fait maintenant, la Joconde, c'est quel beau. Mais de Vinci lui-même, s'il se réveille aujourd'hui, il dit oui. Ah bon, ça c'est quelque chose. Monsieur Gazouba, conclusion. La conclusion est que pour qu'il y ait un besoin soit satisfait, il faut qu'on en ait une conscience que c'est un besoin ressenti objectivement d'une manière constante pour qu'on cherche à le satisfaire. En ce qui concerne l'art, c'est comme tous les besoins, il faudrait qu'on ressente, qu'on soit conscient que c'est un besoin de façon à le satisfaire. Et comme Cyril vient utilement de le rappeler, c'est-à-dire que certains besoins ne s'éveillent pas. Vous n'allez pas aller faire prendre conscience à un enfant en maternelle que le tableau de Picasso vaut quelque chose. Il faut lui laisser le temps de grandir, de structurer sa pensée pour qu'il puisse avoir accès aux termes que vous allez utiliser pour tout promouvoir l'œuvre de Picasso, de façon que ça devienne chez lui un besoin à satisfaire éventuellement s'il en a les moyens. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, cette émission va se terminer. Alors, dans le sens, par exemple, dans le domaine de la construction, on voit que les toits commencent, les toitures commencent à évoluer, ce ne sont plus les toitures traditionnelles. De la même façon, pour ceux qui ont des moyens, il serait, je crois, intéressant quand vous faites visiter à des gens qui viennent d'ailleurs, vous leur montrez des tableaux que vous avez achetés à Paris, à Londres, et à côté, vous leur montrez en leur expliquant de manière, d'ailleurs, très comme un connaisseur, les tableaux de vos propres frères. Ce serait intéressant, et là, d'ailleurs, on vous prendra au sérieux, comme un bon patriote, commençons petit à petit à consommer les arts, à consommer ce que font nos compatriotes, mais quitte à eux, particulièrement dans le domaine de l'artisanat, à commencer aussi à faire des efforts dans le sens de la finition des artisans. C'est la finition, que ça soit terminé. Et vous verrez que, et je demande aux collègues journalistes des grandes émissions artistiques de s'y mettre aussi, parce qu'on dit, ce qui n'est pas dit par la presse n'existe pas. Alors, parlez-en et on consommera aussi notre art, et ça sera bénéfique, non seulement pour les artistes, mais également pour notre pays. Bonsoir et bonjour, et à la fois prochaine. Merci messieurs.